Sika pour ma vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ouverture. Voilà, je vais ouvrir quelque chose que j'attends depuis assez longtemps. Par contre je suis complètement malade, je pense que ça ne s'entend pas parce que j'utilise toute ma force et ma bonne volonté pour faire une bonne vidéo. Mais en réalité je suis en train de mourir intérieurement, du coup voilà. Je cherche des ciseaux, voilà, j'ai trouvé des ciseaux. Du coup, en attendant vous avez une de mes planches que vous pouvez voir. Que vous pouvez d'ailleurs voir sur mon Instagram, du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Parce que je fais Linktober en ce moment. Alors je suis en train d'ouvrir, mais c'est juste que comme il y a mon adresse de l'autre côté, je ne veux pas vous la montrer. Hop. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, ce sont des goodies. Voilà. De mon manga préféré. Attention. Oh mon dieu. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai un peu acheté beaucoup. Hein. J'ai décidé de me lâcher. Carrément. D'accord. Bon, il y en a un qui s'est... un peu, je suppose, pété. Je suis pas sûre. Mais bon. Après, moi, c'est pas grave. Hein, parce que j'ai plein de... petites chaînes en fer. Tout voilà. du coup, c'est des goodies des mémoires de Vanitas. Voilà. Du coup, c'est parti. Ah, en fait, ce sont des chaînes au cas où, en fait, je perds mes chaînes. Ok. Merci, monsieur de eBay. Vous êtes vraiment gentil. Alors. Oh! Regardez le petit Vanitas, trop mignon. Ah! Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Il est beaucoup, beaucoup trop beau. Ah! Ah! Ah, mon Dieu. Ça m'a refait ma journée, au moins. Oh! J'aime bien la qualité. Elle est vachement bien. Allez, il est trop beau. Il est trop trop beau. God. Par contre, je voyais pas ça aussi gros. Parce qu'au début, je voulais le mettre. Je voulais en mettre plusieurs sur mon téléphone. Mais eh bien, on dirait que je n'en mettrai qu'un. Comparé à ma main, ça fait à peu près. Bon, ça fait à peu près toute ma pomme, quoi. Du coup, voilà un petit Vanitas trop mignon. Ensuite. Ah! Du coup, voilà un petit Lucas trop mignon. Il est vraiment trop trop fou. Oui, j'ai acheté tous en fait, je les ai tous achetés, même Jeanne, que je n'aime pas forcément. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, il est vraiment beaucoup trop 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 chou et je suis trop contente. Sors de ton paquet! Ok, bon ben, Lucas ne veut pas sortir. Lucas. C'est bon, Lucas a réussi à sortir. Du coup, voilà. Pour l'instant, Lucas et Vanitas. Lucas est trop chou. J'aime d'or le petit. Le petit sac qu'il a. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop chou. Je meurs. Ensuite, on continue avec Dominique. Que je ne me trompe pas de nom. Parce que des fois, je suis une grosse bébête. Mais. C'est bien Domi. Hein. C'est Domi. C'est la petite Domi. Qui est juste trop belle. Regardez-moi cette tenue de qualité. J'adore les tenues des mémoires de Vanitas. Et même en général, les dessins de John Mushisuki sont toujours magnifiques. Donc les karazen sont toujours magnifiques aussi. Voilà. Oh non. S'il te plaît, Vanitas était bien sorti en plus. Alors, il ne sortira pas. Voilà. Elle est juste trop belle. Avec ses yeux beaux, tout beaux yeux. Je ne sais plus parler français, c'est génial. J'avais jamais remarqué qu'elle avait des yeux or. J'ai jamais marqué ce petit détail, mais d'accord, je suis contente. Les roses et tout. Ça c'est exactement dans sa première apparition quand elle utilise ce petit truc pour mettre les petits pétales de roses quand elle arrive un peu partout. C'est trop chou. C'est trop bien. Du coup, voilà, elle est trop belle. Je devrais peut-être vous les montrer en haut, comme ça fait mignon. Oui. Mais vraiment, c'est énorme. Ensuite, on a Jeanne. Jeanne, qui a aussi les yeux or, mais ça, je savais. Mais je savais pas que les deux avaient les yeux or. Quoique, c'est pas vraiment des yeux or, c'est des yeux un peu, bon... un peu vert jaune, truc comme ça. Du coup, voilà Jeanne, qui est vraiment trop chou, même si je suis pas super fan de ce personnage, je trouve qu'en soi, son design est ultra chou, du coup, je l'ai pris.
Je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu au petit chaperon rouge avec sa cape et tout, etc. Peut-être que c'est une référence, hein, mais que je ne sais pas. Peut-être que je viens de trouver un très gros truc et que je vais théoriser là-dessus pendant des années, mais elle me fait un petit peu penser à ça. Avec sa grosse caisse qui pourrait représenter, je sais pas, un petit panier. Enfin, même si le panier c'est pas exactement pareil, mais voilà. Vous m'avez compris quoi. Du coup, je trouve ça marrant. Voilà, je viens de trouver ça. Et elle est vraiment trop chou. Mais je pense que vous pouvez le voir. J'aime beaucoup la matière. Pof, alors non, on va pas le mettre à côté de Vanitas. Voilà. Écoutez. Mieux. Et ensuite, un bébé chou x2. Voilà. Bébé chou x2. Bon. Du coup, avec Noé et Louis, qui sont juste trop chou. Voilà. Ils sont juste trop chou. D'ailleurs, j'avais une théorie comme quoi Domi et Louis sont la même personne. Mais je suis pas la seule à théoriser là-dessus. Bon, après, j'arrive pas encore à comprendre dans quel. Enfin, pas dans quel système, mais dans quel moment ça pourrait être le cas. Enfin, comment ça pourrait se passer et quelle importance ça aurait, mais. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, comme je trouve pas trop de. Comment dire? Je vois pas pourquoi elle ferait ça pour le moment. Du coup, j'arrive pas à comprendre. Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment le cas ou pas. Mais voilà. Et c'est beaucoup trop chaud. Voilà. Je pense que vous pouvez le voir, mais. Oh mon Dieu. Noé est trop chou. Et Louis aussi. Du coup, voilà. C'est la fin de l'ouverture. Je pense que vous pouvez voir qu'ils sont tous magnifiques. Alors, pour le prix, je les ai achetés sur eBay. Après, au niveau du prix, en fait, j'ai acheté 30 euros tous. Et en fait, au début, je voulais que Noé, Louis, Vanitas et Domi. Mais en fait, je me suis rendu compte que en fait, les prendre tous, ça serait moins cher. Du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, on va aller tous les prendre. Et puis, bon, moi, ça me dérange pas, hein. Du coup voilà, je suis ultra contente. Je pense que je vais mettre le petit Vanitas, enfin le gros Vanitas sur mon téléphone et le reste, je verrai. Je pense qu'il y en a qui iront sur mon sac, d'autres sur ma trousse. Bref, tout le monde ira quelque part. Et voilà, je suis juste trop heureuse parce que c'est vraiment un manga que j'adore et je pense que vous pouvez entendre que ma voix craque. Du coup, je vais bientôt arrêter cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.